floor yet? C'est ici, à Kouloulou, province de Santa Fe, en Argentine, que débute une histoire qui, je vous le dis d'avance, se termine mal. C'est ici qu'est né Emiliano Sala, le 31 octobre 1990. Un petit garçon très attachant, très calme et surtout très passionné de football. À l'âge de 3 ans, ses parents déménagent à 15 petits kilomètres à Progreso, là où il grandit et où sa famille vit encore aujourd'hui. C'est dans cette ville qu'il commence à jouer un an après, à l'âge de 4 ans, dans le club Atlético San Martín de Progreso. Un club dans lequel il a grandi et qui restera dans son cœur. El recuerdo es que siempre fue un chico que técnicamente distinto, de mucha potencia, de una aptitud física importante. De chiquito, siempre una persona humilde, de perfil bajo, muy callada, pero a la hora de entrar a una cancha de fútbol te das cuenta de lo que significaba realmente el fútbol para él, ¿no? Encontró como una manera de expresarse. 10 ans plus tard, nous sommes en 2005. Emiliano a seulement 14 ans et il évolue déjà avec son club dans la 3e division de la Liga Esperancina de Football, une ligue régionale de la province de Santa Fe. Une précocité qui surprend, mais ses stats hallucinantes et ses capacités physiques monstrueuses font vite oublier son âge. Emiliano suivait les traces de son idole Batistuta en ne descendant pas de la barre des 25 buts par saison. Cette année-là, il est même champion avec son club. C'est là où on le pousse à rejoindre le Proyecto Crecer, club filiale des Girondins de Bordeaux en Argentine, à peine créé un an plus tôt. Il faut savoir que depuis 2004, Bordeaux a un partenariat avec les centres de formation argentins. De jeunes adolescents se forment au Proyecto Crecer et passent des stages en France, dans l'espoir d'intégrer un jour les Girondins. Ce centre est situé à San Francisco, à environ 160 km de Progreso, dans la province de Córdoba. Cette formation a réussi à Sala, qui va pouvoir réaliser son rêve 5 ans plus tard, au cours de l'année 2010. Les dirigeants voient cette année-là un grand potentiel en lui. Il a déjà 19 ans, il a mûri, et on lui propose de rejoindre l'équipe réserve de Bordeaux en France. Emiliano a pris le risque de quitter son pays, sans être assuré d'une vraie carrière. Un très grand défi. En revanche, il manque énormément de confiance en lui à son arrivée. L'éloignement n'est pas facile, et même si en CFA il marque de beaux buts, sa marge de progression n'est pas exploitée. En quête de temps de jeu et d'expérience, il a été prêté 2 ans plus tard, à l'été 2012, à l'US Orléans, qui évoluait en national pour un contrat d'1 an. À ce moment-là, il a bientôt 22 ans, et la 3e division, il la voit comme un tremplin pour faire décoller sa carrière. Et ça va lui réussir justement, puisqu'il est co-meilleur buteur lors de sa première et unique saison, avec 19 buts en 37 matchs. Emiliano Sala continue son chemin et gravit les échelons. À son retour aux Girondins, le club ne lui donne pas sa chance et il est prêté une nouvelle fois en 2013 au club des Chamois Niortais en Ligue 2. Niveau supérieur par rapport à Orléans, mais là, Emiliano est en pleine confiance, veut prouver et s'est enfin adapté. Tu débarques Emiliano aux Girondins de Bordeaux qui la saison dernière t'ont prêté à Orléans et qui cette saison te prête aux Chamois Niortais. Alors. On a vu qu'il c'est un très bon club et on a envie de venir ici pour continuer ma progression.
Alors, tu as marqué beaucoup de buts la saison dernière avec Orléans en National. Cette saison, tu vas te retrouver au palier supérieur en Ligue 2 cette fois. Tes ambitions personnelles pour cette saison, c'est quoi? Bon, cette saison, je suis venu pour dans le maximum de moi, aider le club principalement, et aider mes copains. Et après, les ambitions personnelles, c'est de marquer les plus vite possible. Il est l'une des grosses révélations du championnat avec 21 buts toutes compétitions confondues et 18 buts dans le championnat. Il marque littéralement l'histoire du club et surpasse donc le record du Brésilien Valquir Mota dans les années 90. C'est quelqu'un qui peut nous marquer entre 12 et 15 buts, en tout cas ce qu'on espère pour lui et pour nous. Mais en tout cas, en termes d'état d'esprit, c'est un charmant garçon. Qui fait pas de vagues, qui est toujours motivé dans le travail. Et donc c'est le recrutement parfait. Après avoir acquis toute l'expérience nécessaire lors des prêts successifs, Salah revient à Bordeaux et là, le nouvel entraîneur Willy Sagnol lui fait savoir qu'il compte sur lui pour la prochaine saison, celle de 2014-2015. Mais malheureusement, il évolue dans l'ombre de Diabaté et Touré. Il ne dispute que 12 matchs pour 4 titularisations et inscrit un seul but. Son premier but avec Bordeaux d'ailleurs, lors d'un match contre Monaco. Fin janvier 2015, Emiliano Sala veut du temps de jeu. Le temps passe, il a 24 ans et veut faire décoller sa carrière. Il est donc prêté pour le reste de la saison à Caen. Moi, j'ai 24 ans, ce que je veux et j'ai besoin, c'est de jouer. Donc après, je suis venu là, au stade de Malherbe de Caen. C'est un très grand club aussi, de Ligue 1. Donc voilà, je viens pour apporter mes maximums et jouer et marquer plein de buts. Moi... Et la machine Salah se met enfin en marche. Sa première titularisation a lieu face au PSG le 14 février 2015. Le Paris Saint-Germain mène 2-0. Et c'est Salah qui donne l'espoir à son club avec un but en toute dernière minute, avant que son coéquipier ne réalise l'exploit d'égaliser peu après. Une semaine plus tard, il est encore décisif et inscrit un doublé contre Lens. Et la semaine d'après, encore sur sa magnifique lancée, il égalise au Vélodrome contre l'OM, redonnant l'espoir aux siens qui vont gagner 3-2 ce soir-là. À cause d'un accord passé entre les deux clubs avant son prêt, Salah ne dispute malheureusement pas le match suivant face aux Girondins. Sa dynamique est stoppée et il ne réussira pas à retrouver son efficacité. Il ne marque qu'une seule fois lors des matchs suivants et ne devient que très peu titulaire en fin de saison. Ça ne sert à rien d'épiloguer sur... Voilà. Il ne m'a pas échappé non plus qu'Emiliano était très performant avec nous, mais je ne suis pas amnésique non plus. Hein. J'ai des souvenirs de Slovan Priba, aussi décisif et aussi performant. Le 20 juillet 2015, une nouvelle étape arrive dans sa carrière. Il signe pour 5 ans au FC Nantes. Moi, personnellement, j'attends pas des choses au niveau personnel, en tout cas. J'attends de faire mon maximum pour aider le groupe, l'équipe, le club. Voilà, et les résultats, ils vont venir tout seuls. Pour moi, le plus important, c'est le collectif. Et il ne tarde pas à confirmer. En finissant sa première saison 2015-2016, meilleur buteur de son équipe avec 6 réalisations. La saison suivante, le nouvel entraîneur Sergio Conceição, qui est arrivé à la mi-saison, en décembre 2016, le met en confiance comme il ne l'avait jamais été auparavant. Il se démarque lors d'un certain match contre Montpellier, marquant un doublé qui qualifie son équipe en quart de finale de Coupe de la Ligue. A partir de là, les supporters du club commencent à l'apprécier fortement. Il termine même la saison avec 15 buts, toutes compétitions confondues. La saison d'après, avec Claudio Ranieri, il devient l'indiscutable attaquant du FC Nantes et permet plusieurs fois à son club de remporter de précieuses victoires. Réalisant des prestations de haut niveau, il connaît néanmoins une certaine baisse de forme en fin de saison. Son compteur était resté bloqué à 12 buts, lié à la mauvaise période que traversait son club. Nous en arrivons à la saison actuelle, 2018-2019. En été, Salah était sur le départ. Le nouvel entraîneur Cardoso ne comptait pas forcément sur lui, et le club voulait en tirer plus de 10 millions d'euros. Nantes refuse une offre de prêt de Galatasaray et le joueur reste. Son début de saison est exceptionnel, il est inarrêtable. En début novembre, après avoir enchaîné triplé et doublé, il est déjà à 10 buts en 12 matchs.
soit mieux que Messi, Agüero ou Icardi à ce moment-là, devenant meilleur buteur argentin. Le 11 novembre 2018, il permet à Nantes d'égaliser dans le derby face au Stade Rennais et devient co-meilleur buteur d'Europe à égalité avec Kylian Mbappé. Et le lendemain, il est même élu meilleur joueur du mois d'octobre de Ligue 1. Emiliano est à ce moment-là le joueur le plus apprécié de Nantes, son nom est acclamé à plusieurs reprises par le stade tout entier. Et c'est là que le pire arrive pour lui. Celui qui a prouvé qu'il avait le talent pour rester est vendu pour 17 millions d'euros le 19 janvier 2019 à Cardiff pour un contrat de 3 ans. Devenant le joueur le plus cher de l'histoire de Cardiff, une somme que devaient se partager Nantes et son club formateur, Bordeaux. En réalité, il ne voulait pas rejoindre Cardiff. Il ne voulait pas rejoindre une équipe de bas tableau, comme il le disait. Il aimait plutôt le championnat espagnol et aurait accepté volontiers une équipe de Liga. Tout droit venu d'Amérique du Sud, en Espagne, il aurait un peu été comme chez lui. Son entraîneur à Nantes, Vahida Lilozic, ne voulait pas non plus qu'il parte vu ses statistiques. En revanche, les dirigeants du club bavaient devant les quelques millions d'euros proposés et craignaient que, quelques mois après, la cote de Salah diminue. De plus, son salaire est multiplié par 6 de la part du club anglais, encore un moyen de conditionner son choix. L'illustration parfaite d'un football rongé par le monde des affaires, rongé par l'argent, purgé de toute passion. Les joueurs ne sont plus que des produits pour les dirigeants, et le football qui à la base est un plaisir n'est plus qu'un fonds de commerce. Après avoir signé le contrat avec Cardiff, il était rentré à Nantes le lundi 21 janvier pour faire ses adieux à ses coéquipiers. Au retour, la nuit, son avion privé décolle de Nantes à 19h15, en direction de Cardiff. Mais à 20h30, un tragique événement arrive. L'avion disparaît des radars en survolant la Manche, juste après que le pilote ait demandé l'autorisation de descendre. Quelques messages audio de WhatsApp envoyés par le joueur à ses proches laissent supposer que l'avion était en très mauvais état, ou que le pilote avait du mal, qui sait. Des recherches ont été lancées immédiatement, mais en vain. Aucun signe de Salah, ni de l'avion, ni du pilote. Les autorités ont décidé de mettre fin aux recherches, indiquant que les chances de survie sont extrêmement faibles. Le monde du football garde néanmoins espoir. Salah est peut-être en vie et pourra peut-être nous raconter le miracle qu'il a vécu dans les prochains jours. Emiliano Salah a longtemps été reconnu sur les terrains pour son esprit de guerrier, son dévouement, sa pure passion pour le football. Et désormais, comme une tragique récompense, son nom sera gravé dans l'histoire du football.